contre Paris, alors. Oui, la non, ok, d'accord, c'est bon, merci, tu as gagné. Donc là, depuis là, avant que tu n'arrives, il y avait une bataille là des drapeaux ici entre le Cameroun et le Congo. Ah. Mais le Cameroun a gagné, je te dis déjà avant de t'introduire, je te dis là que le Cameroun a gagné avec les drapeaux. Bon, tu sais que j'adore le Cameroun et j'adore les Camerounais et j'adore les Camerounaises. Ouais, Mais je ce sais. soir, je n'ai pas encore eu la chance de regarder tous les matchs, mais à ce qui paraît, j'ai un ami camerounais qui m'a appelé pour me dire, frérot, votre équipe est très, très, très forte. On a fait. C'est mon gars, c'est un Camerounais qui me l'a appelé pour me le dire. Menti. Ça, c'est Non, le mensonge. Ton ami je a n'aimerais pas. menti. C'est le Je vais mensonge. pas. Ouais. Pourquoi il Je vais veut pas te faire balancer. garder ça comme ça Je vais pas gratuitement? balancer son nom de peur que, tu vois, les Camerounais le voient un peu en bizarre. Mais en tout Est-ce cas, que vous avez d'abord sincèrement, les joueurs chez j'étais. vous? Attends, attends, parlons peu, parlons vrai. Est-ce que vous avez d'abord les joueurs? Est-ce que vous avez les joueurs? Bon, je pense que tu sais que le Congo, c'est le premier pays à avoir été qualifié en Coupe du Monde, je pense, phase finale de la Coupe du Monde en 72, 60. Je n'étais pas encore né, mais bon. Donc, c'est vrai que je respecte beaucoup. Tu m'entends là? Ah ouais, ça bug. Ça bug, hein. Allô? Allô? Oui, allô, oui, est-ce que tu m'entends? Ouais, donc le Congo, c'était le premier pays africain noir à avoir été qualifié dans une phase finale de la Coupe du Monde. Donc, on est toujours, c'est des. Voilà, c'est des. Le Là, léopard du maintenant, Zaïre, le léopard du Congo, non. là, maintenant, la telle n'est pas la question. Est-ce que vous Non, avez mais les joueurs non, chez écoutez, vous? C'est laisse-moi ça la finir, laisse-moi question. finir. Ouais, Laisse-moi vas-y, on finir, laisse-moi voulait. finir, laisse-moi finir. Je respecte le Cameroun. De toute façon, le Cameroun nous a fait rêver, il nous a montré des belles choses. Et on regardait les Coupes du Monde d'ailleurs, on voyait des merveilles. Tu vois, vous avez toujours eu une superbe équipe et il y a tellement de talentueux au Cameroun. Voilà. Mais bon, ça c'était à l'ancienne. Hein. Aujourd'hui. Non, mais même maintenant, il y a des gens qui sont performants, qui sont très performants, plein d'énergie. Plein, Oh, je plein, respecte. plein, plein. Donc, c'est De le toute plein façon. d'énergie. Le Cameroun, maintenant, c'est la force, c'est l'énergie, c'est le lion. Ça rugit seulement quand ça rugit. De toute façon, le match commencera dans 3 heures, je crois. On va Ouais. voir. On va voir. D'accord. On va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, sur le Léopard du Congo. Grosse force à vous, on est ensemble. C'est l'aigle qui vous parle. Donc, regarde de loin. Et puis, il se pourrait que si on se qualifie en finale, Vivement que le débat. Cameroun gagne. Je C'est comme ça que débat. tu croises Attendez, le laisse-moi doigt sur le parler, Muriel. Congo. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Si le Congo se qualifie, je débarquerai plus tôt que prévu. C'est-à-dire, je vais être là en finale. Si le Congo. C'est-à-dire que tu vas arriver quelques jours avant le concert. Voilà, pour regarder la finale. Bon, Voilà. je Et me si le tais là. Je Cameroun. prends tes esprits, Muriel. Je prends tes esprits. Et si le Cameroun gagne ce soir, en tout cas, je dirais, voilà, toujours les lions indomptables, mais ce soir, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Voilà. Non, 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 là, tu veux me faire changer de bouche, mais là, non, 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 je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, bon, ok, d'accord, ok, changeons de sujet, parce que là, tu as gagné, ok, d'accord, c'est bon, tu as gagné, je ne peux pas me prononcer, je suis camerounaise, je ne peux pas me prononcer sur l'autre là, étant donné que moi aussi, je veux te voir en concert ici le plus tôt possible, changeons de sujet, Donc, tu vraiment. souhaiterais que le Congo gagne. Que le Non, Congo gagne. je n'ai jamais dit ça, oh. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas commencé des choses comme ça. Je ne peux même pas dire. Hey, comment ne peux-tu dire ça? Je ne peux pas dire ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Bon, Mais il faut quand même que tu viennes d'abord. de toute façon, ce n'est qu'un match de football. Le Congo et le Cameroun, Exactement. voilà, on est tous bantous. Voilà, c'est la famille. C'est comme si le cousin jouait avec son frère. Les Exactement. deux cousins en train de s'amuser. Voilà, donc voilà, on est ensemble. On est ensemble en tout cas. Peace. Voilà, peace. Voilà. Bon, tu viens au Cameroun bientôt. Il faut qu'on parle un peu de ça. Parce que OK. j'ai entendu dire que les places se disputent. Il y a la guerre pour avoir les tickets pour le concert de Falé. Il y a des personnes qui risquent de ne pas être là parce qu'il n'y aura plus de places disponibles.
Donc, et on sait que tu es un chanteur, tu n'es plus à présenter parce que tu es un chanteur au sommet des sommets des sommets des chanteurs. Et tu as sorti des albums, tu chantes super bien. Et tes chansons, avec tes chansons, on a fait beaucoup de bébés. Bon, peut-être que moi aussi j'ai fait un bébé avec. Un bébé avec une de mes chansons. Non, non, je préfère, c'était, ma bouche a seulement glissé, c'est pas ce que je voulais dire en fait, je suis en train de penser et c'est sorti comme ça. Non, c'est bien, tu n'es pas la seule en tout cas, avoir fait un bébé avec mes chansons, c'est ouais, bien. Déjà, je te dis vraiment bravo pour le travail que tu as fait, c'est super, c'est super, franchement, de ce côté-là, ouais. Vraiment, le Congo assure. Véritablement. Merci beaucoup. Belle mélodie. Merci. Et tu as sorti des albums récemment, des albums très différents, mais avec de très belles chansons, Top Up 1 et 2. Lequel tu préfères écouter des deux? Quand tu écoutes tes chansons-là, tu préfères quoi des deux albums? Entre Tokos, le premier et Tokos 2? Oui. Non, je dirais sincèrement, c'est pas parce que je suis en train de faire la promo. De Tokos D, mais je pense que pour moi, je dirais Tokos D, c'est un album un peu plus abouti. Il y a beaucoup de maturité, même en termes musicalement. Moi-même, je sens que c'est largement mieux que le premier, même si je respecte énormément le travail abattu sur. Oui, après, je pense. Pas pour. Pour mentir, c'est-à-dire que ça sera un vrai concert, un vrai live. Oui. Ça va chanter, ça va danser. Il y aura. Il y aura le swag, il y aura. Tout sera au point. Donc, on ramène. Un super show avec. Non, j'ai pas envie de me dévoiler. Venez seulement. Et... Ouais, c'est mieux de ne pas dévoiler maintenant parce que après, sinon les gens, ça va un peu gâcher le suspense de ce qu'il y aura ce jour-là. Déjà, je sais que ça va cartonner, ça sera un carton. Mais quand tu dis que il y a toujours, les Camerounais sont toujours très très bien quand ils te voient là. Tu fais allusion à qui concrètement Parce que je vois souvent une de mes sœurs là. Qui aime beaucoup tes chansons aussi. J'espère que c'est pas elle que tu fais allusion, hein. Non, j'ai dit le Camerounais. Heureusement, j'ai parlé, je dis au masculin d'abord. Le Camerounais. Ouais, les Camerounais. J'ai beaucoup d'amis Camerounais, moi. Et voilà, j'ai beaucoup d'amis aussi Camerounais. Tu n'as pas d'amis Camerounais. Tu me laisses même pas finir ma phrase, donc c'est pour ça. J'ai beaucoup d'amis Camerounais et j'ai beaucoup d'amis Camerounaises. Et j'adore le Cameroun, tu vois. J'adore le Cameroun, la culture, la bouffe. Le pays, tu vois, le peuple, non, bien sûr. Hein? Je sais que quand tu dis que tu as beaucoup d'amis camerounais, là, tu ne fais pas allusion à ma soeur Coco. Hein? Coco Emilia. Oui. Mais bien sûr, c'est une bonne amie. Je dirais même c'est une sœurette parce que elle a des origines un peu congolaises, non, de toute façon. Coco, non, c'est une bonne amie. Moi, je veux la preuve que c'est une bonne amie. Ouais, c'est une bonne amie. Comme je l'ai taquine, Coco Emilia, non, biscuit de mer ex Coco Emilia, parce que nous on l'a connu Coco Emilia. Voilà. Non, Fali ne nous flatte pas. Il ne nous flatte pas. Non, j'ai dit la vérité. J'adore le Cameroun. Ils savent voilà. Que j'adore le Cameroun. Qui n'aimerait pas manger du bon dolé, miondo? Ouais. En plus, j'adore les refrains. Ouais. Ouais. Ah, bon. Donc, on était au niveau de la preuve. Là. Moi, je veux bien que tu nous prouves hein, à tous là, que Coco, c'est une bonne amie. Donc, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Un appel ou quelque chose comme ça, ça m'intéresse bien de savoir. Parce que c'est ma soeur, c'est ma soeur du village. Mais c'est ta soeur, si c'est ta soeur, vas-y, appelle-la. C'est ma soeur du village. Okay. Ah, c'est ta soeur du village. Ok. On dirait que c'est ma belle soeur. On dirait que c'est ma belle soeur. C'est ta soeur du village, c'est ma belle soeur. C'est ma soeur d'abord, avant d'être ta belle soeur. C'est ta soeur du village et c'est ma belle soeur.
Voilà. Donc, tu vois que on est familier en quelque sorte. On ouais. est presque de la même famille. Voilà, famille élargie, ouais. On est presque de la même. Je suis en train d'essayer d'appeler Coco. Hein. J'espère que la connexion passera. J'appelle. Il faut qu'elle me dise ici en direct. Si elle est ta sœur. Comme elle ne décroche jamais son téléphone, là, j'espère qu'elle va décrocher. Oui, allô, bonsoir, mademoiselle. Comment tu vas? Ça va très bien. Je suis en direct sur Instagram avec Fali. Ah, ok. Et il dit que tu es sa sœur. Donc, explique-moi ça, ma sœur. Parce que moi, je sais que tu es ma sœur d'abord. Donc, explique-moi comment ça se fait que Fali et toi, vous êtes des sœurs. C'est mon frère et mon beau-frère. Voilà, lui-même, il a dit qu'il est ton beau-frère. Je croyais qu'il mentait, gars. Non, maman, laisse-nous comme ça, on est en train de causer. Tu sais qu'il vient au Cameroun bientôt, non? Donc, du coup, on est en train de papoter, on échange un peu par rapport à son concert et tout. D'accord. Donc, ça te dirait un peu de parler avec Fali quelques minutes sur son compte Instagram pour que les gens confirment vraiment que c'est ta soeur, c'est ton frère, que tu es sa soeur et que lui, il est ton frère. Et il est ton beau-frère aussi. C'est ton beau-frère. Oui, sur le tien, pourquoi pas, c'est, ça sera une bonne chose. Ah, ok, bon, bah, je vais, ok. Ok, là, moi, je n'ai pas l'habitude. Ouais, moi, je n'ai pas l'habitude, gars, mais tu passes. Mais moi, je ne sais même pas comment ça se passe, le truc à trois. Okay. D'accord, ok, bon, je me désabonne alors, je viens, je vous suis là-bas sur ta page. Comment ça se passe? D'accord. Ok, bisous, gros bisous, hein, à tout à l'heure. Bye. Bye. Donc, Coco vient de confirmer qu'elle te prend sur sa page. Parce que je sais qu'il y a les fans de Coco qui veulent tellement voir Fali. Et j'ai dit que c'est la guerre. Ici, là, non, tout le monde est chaud à bloc pour regarder, pour participer au concert de Fali. Donc, du coup, c'est une bonne chose. Oui, mais ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut dire aux gens de venir. Je pense que ça sera l'un des meilleurs concerts de l'année 2021. Il faut qu'on commence exactement, cette année en beauté. Voilà. Ouais. Oui, avec tout ce qu'on a vécu durant l'année 2020, je pense qu'on a vraiment besoin de quelque chose comme ça qui puisse nous remonter le moral et nous faire sentir qu'on est en vie, quoi. Donc, c'est une très bonne chose. Bon, ouais, et les gens me demandaient si, quand est-ce que tu vas m'épouser? Moi, je demande, c'est pas pour les gens, hein. C'est pas moi qui demande, c'est les gens. Mais je dis, tu n'épouses pas son frère. Vraiment, bien répondu, bien répondu, bien répondu. On n'épouse pas son frère, on est de Bantou, nous. Voilà, exactement. Ouais. Fali Ipupa, le carbinator de la musique congolaise. Yes, je valide. Gros bisous à toi, Fali. Donc, on va se dire qu'on se retrouve parce que Coco a accepté de te prendre en direct là maintenant. Donc, moi aussi, je vais aller squatter un peu le direct de Coco parce que j'ai mes questions que je dois poser. Ok, vas-y. Donc, on se donne rendez-vous à Douala et à Yaoundé au Palais des Sports. Voilà, Cameroun, on se donne, les fans de Muriel, on se donne rendez-vous le 11 février à Douala. À Douala, oui. Et le 13. Le 13 février à Yaoundé. Le 13 février à Yaoundé. Donc, voilà, ne ratez pas. On est ensemble. Aigle. Tocos. Merci beaucoup, Fali. C'est très gentil. Merci, Muriel. On est ensemble. Bisous. Le Cameroun t'aime fort. J'aime aussi le Cameroun fort. Tocos. On est ensemble. Allez, à bientôt. Ouais. Donc, mes braves, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, là, pour sous sa page, biscuit de mer. Allons là-bas maintenant. Direction biscuit de mer pour le concours, le direct avec Fali. On va écouter. Fali a dit que c'est son beau-frère. Coco a dit que c'est son beau-frère aussi. Allons écouter.